Connard, enclé, insulté par Mathieu Delormeau, Pascal Sétain lui règle son compte dans TPMP People. Ce samedi 11 juin 2022, sur le plateau de TPMP People, Mathieu Delormeau a eu affaire à un Pascal Sétain en mode Pascal grand frère. C8 diffusait un nouveau numéro de TPMP People. Avec, aux commandes, Mathieu Delormeau, plus en forme que jamais. L'animateur a repris les rênes de son émission après plusieurs jours d'absence. Pour rappel, l'ex-star de NRJ 12 avait pris ses distances avec la chaîne suite à son clash avec Gilles Verdet. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, son patron et ami Cyril Hanouna ne l'avait, d'ailleurs, pas défendu. Pire encore, le trublion du PAF avait dézingué son chroniqueur en direct dans le talk show. Mais l'histoire finit bien puisque les deux hommes semblent réconciliés et leur complicité crève à nouveau l'écran. Ce samedi, le beau blond recevait Pascal Sétain, alias Pascal, le grand frère. L'occasion pour lui, de revenir sur les séquences cultes du programme, son éviction de C8, et ses futurs projets à la télévision. Scénar, enclé, Mathieu Delormeau dépasse les bornes. Invité sur le plateau de TPMP People, Pascal Sétain a eu le droit à un récapitulatif de sa carrière télévisuelle. En effet, Mathieu Delormeau a rappelé, aux téléspectateurs, les 10 ans de vie de l'émission Pascal le grand frère. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le programme a voyagé. Diffusé de 2006 à 2013 sur TF1, il a ensuite été racheté par NRJ 12, puis C8, en 2017, qui n'a produit que 2 épisodes avant d'arrêter sa diffusion. En plateau, l'animateur a souhaité revoir quelques séquences cultes, en compagnie de l'éducateur de 52 ans. Tu avais quelque chose d'hyper théâtral, est-ce que tu as été coaché? Est-ce qu'à l'époque tu t'es entraîné? Lui a demandé le chroniqueur. Ni une, ni deux, le grand frère s'est donc levé pour rejoindre l'animateur. Les deux hommes se sont donc affrontés, face à face. De quoi provoquer le fou rire des chroniqueurs, et des réactions survoltées dans le public. Du sang, la bagarre, a-t-on pu entendre? Fais un bisou, a lâché Pascal, en tendant sa main. Un geste tendre que Mathieu Delormeau a immédiatement accepté, peu enclin à défier le sportif. Eh bonhomme, la colère ça commence à un M80, allez va t'asseoir, lui a-t-il tout de même lancé, dans une ultime provocation.